Aujourd'hui, suite à l'arrivée massive d'algues sargasses sur l'île de la Désirade, nous avons mené une opération coup de poing avec des agents du Gosier, de Sainte-Anne et de Saint-François afin de rendre les plages de la Désirade les plus accessibles possibles aux touristes et aux habitants de la Désirade. Notre départ s'est fait ce matin à 7h45 à Saint-François. Une fois arrivés, nous nous sommes répartis sur les plages de Bémao, les plages du Souffleur et la plage à Fifi afin que les agents puissent nettoyer les plages et les rendre plus accessibles. La Désirade a été la première commune membre touchée par l'arrivée massive des sargasses. Donc c'est naturellement que nous sommes venus au niveau de la Désirade avec les agents de la CARM pour pouvoir rendre ces plages beaucoup plus propres. L'arrivée des algues sargasses est très aléatoire. Donc les agents sont au quotidien sur les plages pour pouvoir prévenir et maintenir la propreté des plages. Toutefois, sur l'île de la Désirade, un soutien mécanisé sera effectué à partir du début du mois d'avril pour tenter de contenir l'arrivée massive des sargasses. Aujourd'hui, on a fait la plage de Bémao. C'est une opération coup de poing qui a été menée par la CARL. Nous étions sur Bémao et aujourd'hui, on est descendu sur le bout là. La journée, ça s'est très bien passé. Le difficile, c'est l'emmener là actuellement. Là. Mais à part de ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Il y a énormément de vent. Les sargasses sont très frais. Donc, on n'a pas besoin de masque pour pouvoir les évacuer. Actuellement, comme vous voyez, nous sommes sur la plage du Bourg où les sargasses sont ramassées et les agents sont en train de les charger par bouette pour transporter à la baigne. C'est la deuxième fois que cela se passe et je crois que ce sera remédié dorénavant. Je suis en vacances pour 15 jours en Guadeloupe, près de Sainte-Anne. Et là, c'est notre première journée sur la Désirade. Oui, c'est bien qu'ils nettoient, qu'ils gardent propre pour justement les touristes et même eux-mêmes qui vivent, gardent un endroit toujours aussi beau. Ça donne envie de venir.